Passionné de mycologie ou simple amateur de cueillette en forêt de champignons, vous recherchez une application pour vous aider dans vos reconnaissances? Je vous propose dans cette vidéo de faire le tour des applications disponibles pour votre smartphone. Il existe aujourd'hui deux approches quand on s'intéresse aux applications de reconnaissance de champignons. Vous avez les applications qui proposent de faire une reconnaissance de votre champignon en faisant une photo de votre spécimen, et d'autres applications qui vous aident en vous orientant dans les caractéristiques des champignons. Commençons tout d'abord par les applications qui vous permettent de prendre en photo, de faire une reconnaissance directe de vos champignons. Le principe est simple, vous prenez en photo votre champignon et l'application ensuite recherche l'espèce correspondante. Alors bien sûr, c'est très pratique et c'est très rapide, ça vous permet d'avoir quasiment instantanément l'identification du champignon que vous avez dans les mains et en plus certaines applications fournissent également des renseignements sur les espèces que vous recherchez. Vous avez par exemple l'application Picture Mushroom qui propose moyennant un abonnement annuel un accès à leur base de reconnaissance à partir d'une photographie. Vous pouvez également retrouver ce service avec l'application Champignouf. Si cette application vous intéresse, je vous mets bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo. Mais il faut bien le dire, ce type d'application convient surtout à des amateurs de mycologie, de cueillette de champignons en forêt qui veulent avoir rapidement une identification sur les champignons. Mais rassurez-vous, pour les passionnés de mycologie, il existe d'autres applications qui permettent de faire des reconnaissances beaucoup plus classiques basées sur l'identification des caractéristiques des champignons. Il va s'agir alors de décrire les différentes parties d'un spécimen selon un chemin logique de reconnaissance, pour au final aboutir à l'espèce en question. Ce type d'approche convient plutôt aux passionnés des cueillettes car correspond à la philosophie de l'identification. Vous avez par exemple l'application Champignon Pro ou encore l'application Déclic Champi. En bonus, vous avez deux options qui semblent intéressantes. Certaines applications proposent en effet des quiz afin de travailler ses reconnaissances. C'est plutôt intéressant pour venir compléter les sorties en forêt et réviser ses connaissances. C'est par exemple le cas de l'application Mico ou encore Champignon Pro. Enfin, une autre fonctionnalité est intéressante, c'est la géolocalisation des endroits de bonne cueillette. Cela peut être intéressant de garder en mémoire certains bons plans pour revenir à l'occasion. Vous retrouverez cette fonctionnalité, par exemple, dans les applications comme Champignouf ou Champignon Pro. Alors voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous utilisez l'une des applications que je viens de citer dans cette vidéo ou alors en proposer d'autres, c'est toujours très intéressant. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne cueillette, une bonne reconnaissance de champignons, mais avec votre téléphone dans les mains.